Va polier. Donc ça, on a son les langues mabé. Il est chez Dieu. Katoubi 18%, Fayoulou 5%. Le mot soit Fayoulou 5%, on a apprécié. Désolé, soyez 5%. Pourquoi 0,22%? Très chers compatriotes, congolais, je vous salue au nom de Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendji, le membre simple de l'UDPS 2024. Sur le qui-vive de Bissaki Bino, révolution, tu vois, qui du bosso, tu vois, dernier virage de Bissaki Bino élection, il y a le 20 décembre. Et heureusement pour nous, le peuple congolais s'est levé comme un seul homme. Peuple, la Bisso, Ayoki, Melaya guide. Félix Tshisekedi, Ayoki Mbelaya Kenjo Mukendji, Ayoki Mbelaya UDPS, peuple congolais Télémi, à soutenir chef Naye 73,34%. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'émission est longue, on va beaucoup plus parler des nouvelles de la CENI. On va parler des nouvelles de la CENI. Et aussi, on va aussi essayer de réfléchir. Réfléchissons. Qui selon vous peut être le premier ministre de Félix Tshisekedi lorsqu'on aura la majorité à l'Assemblée nationale? Qui selon vous, le président Félix Tshisekedi peut faire confiance, donner cette responsabilité de, comment je dirais, de faire la continuité de son travail, c'est-à-dire de préserver les acquis et de continuer, évidemment dans le bon sens, continuer la gratuité scolaire, continuer l'accouchement gratuit, continuer, comment je dirais, l'accroissement de notre budget. Évidemment, à qui le président Félix Tshisekedi va confier cette émission? On va réfléchir sur ça. Et puis, Netina film, Mukwege, le faux prix Nobel de la paix, la poupée des blancs, a jeté l'éponge à l'obinga politique, n'a sali quoi? Non, quand t'as insulté, tu retangues la bino, Makambo ya lobby. Et réfléchir sur ça. Alors, c'est un peu ça. Alors, avant tout, laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire au cours de l'émission. Il y a passé. Oh, bah, l'année, l'émission que Jomou Kendi Bosé Bélé. Aujourd'hui, l'émission que Jomou Kendi, Tchalaba Group, c'est une bonne chose. Faut tout sensibiliser, ma Congolais. Mais surtout, Pessa à moi, n'a pas proche, Nayo. Pessa à ma proche. Moi, si Nayo, ou Bali Nayo, cousin Nayo, ton ami, de tout là. Les pauvres Fachi, les membres de pro-UDPS, bah, pro-Union Sacrée. Qu'on pense un tribaliste, t'es, parce qu'un tribaliste, au départ, c'était un illettré. Une personne qui souffre de la maladie, il y a complexe d'infériorité. Qu'on pense ça a été. Ouais, ça, Moussala, Nzambe. Nzambe, là, on change. Kenjo Mukendji, on a tenté. Alors, c'est très important. Vous êtes belé, Angelina Bakaji, Beloti Mavungu, Maman, là-bas, Yvonne, femme d'affaires. Vous êtes belé, Maman Ghislaine Choa. Maman Yvonne Moufouta, maman Jean-Marie Moutombo, Marie-Jeanne Moutombo, Marie-Jeanne Kalonji, Bozali Ebele, maman Yenga, maman Charlotte, Bozali Ebele. Alors, mon frère Desayo, j'ai retenu quelques commentaires dans le bureau rapidement. Mon frère Desayo Mwamba, homme d'affaires, n'a niveau ba miabi, n'a mougiment, n'a kasai. Il se pose la question, il dit ceci. Comment un étranger, c'est-à-dire pas de Katumbi, le juif, l'israélien, zambien Katumbi, comment un étranger peut venir dans notre pays mener un combat de libérer les Congolais de la main d'un Congolais de père et de mère, de Félix Tshisekedi? C'est utopique, c'est l'illusion. Donc on doit réduire ce voyou, cette immorale de,
de kabiliste, de kagamiste, de katumbi, on va le réduire à sa moindre, à sa plus simple expression. Très bientôt. Alors, Odette Moulamba, que je salue, à Lobby, on ne doit pas pardonner cette immorale de Tchakoudia, Junior Tchakoudia, oh, Afinga, Félix Tshisekedi, Afinga, Etienne Tshisekedi, Afinga, Maman Marc, Afinga, Maman Denise, Nyakero, Naba Emission, c'est belé. Donc, on peut pardonner, été. Aïa, à Romain Abdelon, tout ça, allez. Alors, Asnangaloula dit ceci. C'est vrai, il y a beaucoup de Katangais qui ont voté pour l'étranger. C'est pénible pour nous d'accepter ça. Mais c'est une réalité. Bah, Katangais, bah, frère Nabisso, bah, voter un étranger. Mais ils ont pénible d'avoir valeur, mais ils disent ceci. Le problème, c'est le problème, il y a Katumbi était malin, après ça, il y a Bunga, le maïs, farine de maïs, il y a un Katanga, pour la foufou, Bunga, Bukari. Alors que le président Félix Tshisekedi, dans ce programme, il y a 145 territoires, et surtout, il y a Kanyamaka CC, va pomper farine de maïs, na Katanga, pour elle. En tout cas, les Katangais vont oublier cet étranger. Ils seront difficilement manipulables. Alors, Boniface Kabuya à Kentucky, je salue. Gilbert, je salue mon frère Gilbert. Matt Elonga, je salue. Augustin Bolika, Augustin Bolika, plaide pour le changement de la classe politique. C'est très important. Je salue mon frère Bissé Diassambou. Léon Yatanyangu, il est contre la destruction de sièges de l'ensemble au Kasaï, dans Mbujimayi. Par contre, maman, ingénieur Bakaji, que je salue, ingénieur Bakaji, il y a le bitère, ça salit bien, mais ça étranger, il n'a pas le droit de créer un parti politique chez nous, en tout cas, de ne pas faire la politique chez nous, donc, Batoua Bagin a raison. Voilà. J'avais donné mon point de vue en tant que révolutionnaire. C'est à vous de choisir. Patti Ngeleka dit ceci. Il me pose la question de savoir si j'avais suivi le Malien, le soi-disant Malien, même si c'est ceux qui Malien, ceux qui Burkinabé, ceux qui Konaré, ceux qui Malien, ceux qui Burkinabé, un Konaré, c'est un con. Voilà. Un idiot, un bourrique. Parce que le frère Patti Ngeleka me pose la question si je l'avais suivi jusqu'à la fin. Une personne qui insulte déjà mon pays, qui insulte ma nation, qui dit que les Congolais sont des idiots parce qu'ils vont voter. Pour lui, il faut qu'on fasse un coup d'État. Mon frère, je dois suivre ce voyou, ce délinquant, cet illettré de Malé, si c'est Burkinabé. Non, on l'a dit, je m'arrête là, je l'attaque. S'il était en face de moi, il y a un bois qui est là, Alors, je salue mon frère Jean Kapinga Kababa, en Belgique, la pension Mbote là où tu y es. Louise Mwembo, je salue. Irène Rose Sabois, je salue. Edo, mon frère Edo Matala, un bon politicien, bon, il peut pas, c'est pas important tant la science politique, mon frère. Je crois que mon message est clair. Dans le bataille, pour comme un politicien, c'est un art, il faut qu'il y ait une université, tant la 5 ans en science politique. Je n'ai pas dit ça. Fais des recherches, soit ma livre, tant contre ma émission, parti politique d'ailleurs, soit ma notion. Je parle des principes élémentaires de la science politique. Que je vous dis, il y a un principe en haut. Dans la science politique, moi, je suis économiste de formation. Donc, voilà, je suis clair là. Alors, Joao Mouila, il dit ceci, parce que je dis que Jean-Claude Vouemba, ce katumbiste-là, ce traître corrompu, Azali, Aza Angolais. Alors, mon frère me dit, c'est tout à fait normal parce que Matadi, dans la province Yaba Congo, Ezalaka Angola, mon frère Kolba, Ezalaka, tu ne dis pas le présent. Ezalaki peut être Kala, l'Angola, puisque le royaume Congo était grand, c'est clair. C'est ça l'histoire. Kolba, Ezalaka Angola, Tilelo, non.
Mais le cas de Jean-Claude Vuemba, ce n'est pas parce que Jean-Claude Vuemba, sa famille, n'a pas tongé ba yidi bango bazaki na ba hôtel et belé n'a pas tongé na victoire ba yidi bango. Qui est-ce de mon service n'a pas si mbote toto nami, n'a pas si mbote di DC ça n'a pas si mbote. Ba yedi ye. Bango famille na bango et ya a tant que guerre angolais bandi. Donc ba ça ba réfugié angolais chez nous. Ba tutu ba yedi yango. Donc c'est un peu clair na makambo na zoloba. Grison Kalombo a dit ce voyou là qui a parlé, ce n'est pas un malien, ça doit être un nilotique. Mon frère, nilotique, malien, burkinabé, je m'en fous, je m'en contrefiche. Quand tu touches mon pays, tu insultes ma nation dans ta soi-disant réflexion, moi que Jomo Kendi, na longo libaga, je te donne des coups si je dois. C'est comme ça. Alors, maman Nico Salem, je salue. Maman Nico Salem, grâce à maman grâce à la petite beauté. Maman Nicole Salem a joué bateau martelé sur cette proposition que je fais au président Félix Tshisekedi. On a besoin de 2 ou 3 avions, Yassika, pour desservir la diaspora, surtout nos enfants. Tourobet à mon émission, la bise Zoya Mingi, peu comme la chef. N'a mandat n'a yazan Kenya, 2028, tout soit quand même 2 avions et desservir la diaspora, la bise Zoya à la Congo, facilement, dans un coup patriotique. Évidemment, billet d'avion patriotique, maman Nadine Reiner, n'a pas si. Moté et Sikosali. Alors, tu crois que tu as une mission à Bissot. Mais avant de la mission, il y a réfléchi la victoire à Fachi Béton. Réfléchissons sur la victoire de Fachi Béton. Vous avez dit, vous savez, réélu 73,34%. Alors, je me pose la question. Comment l'opposition faible, opposition Yalembele, opposition Mpiaka, pouvait-elle battre le président Félix Tshisekedi? Cet homme de Dieu, Félix Tshisekedi prie beaucoup. Alors, wapi image, Kagaye Morote avec sa femme, Samé Larama Kasi, donc, au rebattre, bah, on n'en est ni, bah, on n'en est, moutado Samé Laboui, à Tabino Moko. Bon, moi, maman, je dis, n'a pas dit, voilà. Ce que nous avons pour battre et comment? Fayoulou de Père Longwa, église d'Abango Philadelphia. Tout le monde a ça, la rachouté. Il a l'air d'un monsieur qui est bourré de fétiches. Bagoua partout. Kissi, tout ça. Yewana a joué 5%. N'a pas Kissi n'a joué 5%. Nous t'avons même pas en Garamoussito. La 2018, tu as vu ses crânes, tu as vu ses habillements déjà. Alors. Je voudrais parler, c'est une personne qui prie beaucoup et une personne qui est aimée de sa population partout dans le pays. Tout à l'heure, on va proclamer qu'il y a un résultat. Il y a Félix Tshisekedi a gagné spontanément. Son peuple l'a accompagné. Image à Kitambo. Plein, spontané. Spontané. Image de la quitté mon magasin. Spontané. Voilà. Donc, ce grand monsieur est aimé de sa population. Population naïe et lingui. Alors, vous avez vu vidéo de Félix Tshisekedi à Kitambo après la proclamation de sa victoire par l'expert en matière électorale, l'expert en Afrique, dans le monde, Denis Kadima. As un expert, bon money, expérience naïe, expertise naïe plutôt, bon money. Alors, que je vous dis pas plus loin pour réfléchir. La popularité de Félix Tshisekedi découle de quoi? Je réfléchis. Ça peut découler aussi de la sympathie de son peuple, des Congolais, qui observent comment les étrangers malmènent leurs frères, Félix Tshisekedi. Comment les étrangers infiltrés dans Mboka na biso terrorisent leur frère Félix Tshisekedi dans son propre pays devant ses propres frères et sœurs. Ba emmemi Mboka, ba kabiliste, ba katumbiste, ba zotia ba
bazo tia ba intoxication, ba mensonge, et l'on mouke ka so ba, ba salika, au projet 100 jours, au détournement, chile gelou, détournement, 55 territoires, détournement, gratuité scolaire, détournement, les kamouka ra mouke, félicité seigneur sara, détournement, loukouta, peuple congolais au monde, gratuité ba accouchement, au détournement, oh, francophonie, au détournement, oh, bon sali banquette, te, j'ai la lingue de alobi ote. Si vous détournez, vous avez un peuple qui dit non, oh mensonge. Ram, oh détournement. Ram, mabe. Peuple est oh. États-Unis sont comme États-Unis, les lois Angleterre, comme l'Angleterre, un pays développé. C'est parce que leur population ont payé des taxes, des impôts. Ils ont payé la fiscalité directe et la fiscalité indirecte, la parafiscalité. Il y a un salibam mort la banque qui est liboso. Quand on la comprend derrière moi. Yango la voté Fachi Beton. Sympathie wana, yango basali. Alors c'est la raison pour laquelle mon frère Bana Congo, que je salue, Bana Congo, la Pessimbote, Alobi Boy, beaucoup ne réalisent pas encore l'acte que le président Félix Tshisekedi vient, l'acte qui vient d'être posé, la réaction de Félix Tshisekedi, 73%. Batobele va comprendre la route. Dans notre profil, l'occasion de saluer Ndoro na ngai Jean-Marie Chibangu, un grand combattant. De l'UDPS, un grand patriote, la PCM Bote. Jean-Marie Tshibangu m'explique que ce voyou de Malien, ce qui est Burkinabé, ce qui n'a pas bébé, Konaré, il est en contact avec les combats de tabac, il y a Kérine Mawiso, Patrick Meko, ce sont des bourriques, hein. C'est expliqué à Bino, ce sont des Congolais, soit disant, il y a un diplôme, mais quand il faut réfléchir, c'est-à-dire pondre une réflexion objective, il y a raté. Sur le Congo, ils sont bloqués parce que ils ont des limites, des insuffisances intellectuelles. Voilà. Moi, je parle ce que je vois. Nest pas que nous avons eu Zoana, bah, Patrick, mais vous êtes des bourriques, bah, Maël était. Parce que, bah, on est en contact, n'a pas, Konaré, Oana. Mais, moi, je ne veux pas dédouaner ce voyou, cet immoral de Konaré. Je ne veux pas le dédouaner, il est bête. Parce que, soko mutumala ba yoka de côté oyoki ba kiri ma wizo ba Patrick Mbeki oyoki ba c'est bon mais yoka ba kenjo mukendi a expliqué yo le régime la révolution que nous menons la révolution pacifique que nous menons té yo liega oliega lito imoko après tu t'excelles en exposant tes insuffisances intellectuelles voilà ba malien ba burkinabé. Ceux qui vous voulez venir au Congo, l'UDPS va vous apprendre comment on mène la lutte pacifique. Prendre le pouvoir sans faire un coup d'État. Viennent, on va vous apprendre. Félix Tshisekedi va vous apprendre. Les Tchadiens, Moutou Oyazosala, puisque au Tchad, il y a eu deux fractions. Moutou Oyazosala, médiation pour Ayokani, sa classe politique tchadienne, c'est le président Félix Tshisekedi. Basi Bayokani. Et le premier ministre vient d'être nommé. Voilà. Malien. Burkinabé, venez. Alors, bah, Congolais, quand vous tombez sur, France, c'est Fawana. Il faut, moi, que je vous donne de la matière. Vous devez leur fermer leur bouche en leur disant que vous ne pouvez jamais parler devant un Congolais, insulter un Congolais aussi longtemps que vous avez une monnaie de la colonisation jusqu'aujourd'hui. 60 ans après, les indépendances, vous détenez toujours la monnaie de la colonisation française. Il faut que le ministre français des Finances, ou à gérer la banque, appelle sa autorisation. On est en colonisation, on est sous-homme. Et si vous êtes malien, ça la monnaie, tu es avec Poutine, ça la monnaie, total. Vous croyez que c'est facile? Yamana Basangani, Burkina Faso, Niger, Nan Mali, Basali Monnaie. Toujours, Basali Monnaie, là, c'est l'ordre qui vient de la Russie. C'est l'ordre de Poutine. L'ordre de Poutine. Poutine a roti Gabamote. Il faut qu'un Gabamote pouvoisse Gabamote. Quand ils mélangent ces trois pays avec une seule monnaie, dirigée par leur monnaie, la monnaie russe, je crois, sur la rouble, sur le rouble. Ah ben, c'est pour les assujettis. Voilà. Donc, Jean-Marie Tshibangu, merci beaucoup, mon frère. Nous vous passons l'information. Alors, tout l'accès qui est bien,
Félix qui dit ah toi la Chabino Félix Katumbi Katumbi à Kisangani Kisangani boyo masinga mwambe botala Kisangani matata déjà tout monde c'est OK bah on doit kunda Katumbi voilà. Adieu Moïse. 22%, 18%. 18%. Adieu Moïse. Tant qu'on va proclamer le résultat, c'est que tu as gagné le peuple et télémina qui s'en a dit Boyoma Singa Mouambe. Keba. Keba. En général, je te salue. Mais tu m'as vu, on a fait une beauté. Maman Gisèle Choa, je te salue. Je te Maurice. Maman Jeannette Lélo. Maman Sophie Conde. Mon frère parfait, quoi. La petite bidon mot, c'est que vous allez. Antolomia, je salue Roberto Mukendi. La paix Simbote. David Boulenda, je salue là où vous êtes. Voilà. Donc, c'est un peu ça la réalité. La réalité, il y a moana. Bomoni, on va te expliquer, bino bomoni. Alors, au moment où, bakero kunda katumbi, na, la Kisangani, aux États-Unis d'Amérique, Félix Tshisekedi affiché dans les écrans du Times Square à New York, États-Unis d'Amérique, étant mis à l'honneur de la sorte au cœur de Manhattan. Félix Tshisekedi a vu sa réélection saluée dans ce lieu prestigieux, visité par des touristes et New-Yorkais. Il y a un autre besoin radio, à New York, na Times Square à Manhattan. Alors, voilà. Voilà. C'est de cette façon que les Américains honorent Mutuna Bango, Fati Beton, Moïse Kabongo, la Pessimbote, Moïse Kabongo, la Pessimbote, Jean-Jacques, Moukabanzemba, je salue. C'est de cette manière que les Américains ont honoré Mutuna Bango. Donc, les Américains ont honoré Mutuna Bango, et vous avez vu Binomoko. Et qu'est-ce que Jomou Keniva dit? France, Macron, Katuka. Umbuka, Macron, Toka Kule, Longwa Kuna, Longwa, Tokeno Abia, en France, Longwa, Katuka Mbani. Maman auditorée, France à Katuka. Aloba, on s'en fout, Américain yéyo, à reconnaître victoire à Félix Tshisekedi. Alors, les nouvelles de la CENI, bon, la nouvelle la plus importante, c'est, attendez la bino, c'est les reports, et où tu veux ça, les mains. La CENI porte à la connaissance de l'opinion que la convocation de l'électorat des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, c'était prévu le 1er janvier. Donc, bah, changer date. Donc, dépôt de candidature, il y a un sénateur, il y a un gouverneur, il y a un vice-gouverneur. Il fallait ça les mains le 1er janvier, mais bah, tiens, on a date Mogo qui sera convoquée ultérieurement, de la même manière aussi que les résultats des élections des députés nationaux et provinciaux, c'était prévu le 3 janvier. Alors, bah, lobby que, bah, ça lui report. Ces reports se justifient par la compilation en cours des résultats provisoires des élections législatives nationales et provinciales, ainsi que celles des conseillers communaux du 20 décembre. La CENI invite les candidats députés nationaux et provinciaux ainsi que les potentiels candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province à la patience. Donc, bon, c'est là, bah, on communique une date. Donc, on va changer ma date. Tout est là, tout est tout là. Alors, de l'autre côté, vous savez, on accuse la CENI que voilà, il y a eu des irrégularités, il y a eu des tricheries, c'est-à-dire qu'il y a un soupçon. Mais alors, c'est la raison pour laquelle les Congolais ont réfléchi. Je salue mon frère Bill Mukendi, la PCM Beauté. Les Congolais ont réfléchi en termes de sensibilité. Alors, quand j'ai vu cette réflexion, ils ont dit que l'économie, c'est tout ça. Quand tout ça, tu ne faisais habiter la Bissot,
il y a une partie, quand on sort dans l'étude de faisabilité, dans l'étude de sensibilité. C'est-à-dire que la faisabilité de ton étude, il y aura une partie, de la même manière, on peut pas procéder, j'étais émerveillé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils disent ceci, étude de sensibilité sur la transparence et la vérité des urnes des élections du 20 décembre face aux suspicions, des irrégularités, des tricheries et de fraudes. Alors, donc, Yamona Sikoyo, il faut, et puis on vous savez qu'il y a une enquête, dédicatement, à chaque déjà, on place une enquête pour basser la banquette, une commission pour mener l'enquête, dans le bureau de faute, et si ça, ça a été la fraude, ou les alliés adhérés, dans la preuve. Et, le candidat Wana, ils ont risqué d'annuler le scrutin. Alors, qu'est-ce qu'il dit, c'est réfléchis à l'année. Si tous les 11 000 bureaux de vote affectés sur les 75 000 bureaux de vote, 75 000 bureaux de vote, 10% à 75 000, c'est 7 500. Donc, 11 000 bureaux de vote affectés, nous sommes au-delà, tout ça au-delà là-bas, 15%. Ok? 15%. 15%. Donc, 80%, 85% restants, ils allient bien. Alors, était, si les 11 000 bureaux de vote sur les 75 000 bureaux de vote étaient dans la zone soutenant Moïse Katumbi, l'impact sur les résultats finaux serait le suivant. Pourcentage de Félix Tshisekedi va diminuer de 73 à 62. Pourcentage de Katumbi va aussi diminuer, passant de 18 à 15. On les allie, première étape. Deuxième étape, si par contre, tous les 11 000 bureaux de vote affectés étaient dans la zone de Katumbi, si on ajoutait l'ensemble des voix de bureaux de vote dans ma voix à Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi allait rester avec 62%, tandis que Katumbi allait avoir 30%, de 18% à 30%. Donc, dans tous les cas de figure, Félix Tshisekedi gagne. C'est comme cela que na basa la étude de sensibilité. Bravo pour cette étude. Alors, donc, c'est clair que Katumbi Apolinae, Apolinae, vous m'avez dit ma étude de sensibilité au basa Rosal. Alors, les États-Unis d'Amérique tiennent bah on garde à lobby. Si on se remonte au bout du résultat, kende qu'on a la voie légale, coup conditionnel, kende kuna. Si on boit, bandanier. Si on a des ordres article 64 et au Kangayo. Alors, maintenant que Djokou Kengi va plus loin parce qu'on parle des élections, bientôt nous sommes à l'attente des résultats des députés nationaux, députés provinciaux et les communaux. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup plus dans cette partie de l'émission, c'est qui sera le prochain premier ministre du président Félix Tshisekedi. Il faut tout dire sur différents scénarios. J'ai eu à parler avec un ami, un frère, il est en Afrique. Il m'a appelé, tout ce que on a débattu. La PCM de Sigezali, que son nom est secret. Azam Moutoumoro, un héros dans l'ombre. Je le salue, Sigezali. Alors, qui sera le prochain premier ministre du président Félix Tshisekedi? Alors, nous sommes tombés sur une photo. Ah ouais, je ne sais pas les raisons pour, la raison pour laquelle Bakenegi Okutana, Maman Marthe. On voit Jean-Pierre Bemba, Samalou Kondé, c'est-à-dire ma chef, ma leader. Il y a une union sacrée. Augustin Kabouya, Bati Lukwebe, mon papa, Nabiso, Mosso. Bagé Okuta, la maman, Bagé Mona, maman Marthe, maman présente Félix Tshisekedi. Je ne sais pas à quelle occasion, toujours c'est la seule occasion, on va en parler. Voilà, maman chef de l'État Yohana. Peut-être Bagé Funda Fati, peut-être. Bah, il n'est pas là-bas, bah, il maman là-bas, Bagé Funda, maman, t'as la Fati, mettons, voilà, à la Limbi Sakatumbi. Oh, t'as fâché béton, Anga Libi Sakatumbi. Oh, fâché béton, Anga nommé Fayou le premier ministre. Toto évité. Y'a pas que dit, bon, voilà, ça c'est un peu de. Pour rire un peu, voilà. Alors, on va suivre ce dossier. Alors, qui peut être premier ministre selon vous? Dans ma commentaire, Nabino, il y a une mission, selon l'année, mission, Pesanga, Idé Nayo. Selon toi, qui tu préfères que le président Félix Tshisekedi nomme comme premier ministre?
Tout en rappelant ceci, moi illustration dans ça, je dois rappeler ceci. Tout en rappelant que nos politiciens doivent arrêter de faire la pression ou les chantages au président Félix Tshisekedi. Après la proclamation des résultats. Chantage Toboï. Vital Kamerhe Toboï ma chantage na Yohana. Toboï. Et de l'autre côté aussi, on doit reconnaître que le président Félix Tshisekedi a le pouvoir discrétionnaire de nommer n'importe qui il veut, selon ses critères, comme premier ministre. Il faut te reconnaître, Yango. C'est le chef de l'État, Yemoutou, constitution Apesi Ndingisa wana. Donc, la personne que le président Félix Tshisekedi va nommer, Bissou ma prof Fati, nous sommes obligés de le soutenir. N'est-ce que tu soutiens qui Samaloukonde. Si on maintenir Samaloukonde, ce n'est pas un problème. Voilà. Donc, il faut te soutenir. Parce que, je vous avais dit, il connaît la politique plus que nous. Félix Tshisekedi Bomonyuana. Donc, si on a poni Moutou, c'est que, yé, à sa analyse, yé, là, ma collaborateur autour, na yé, ce sont des gens avisés, des gens intelligents, des grands intellectuels, bah, ça, bah, juste, bah, quoi, la décision, voilà, on doit appuyer. Et puis, Félix Tshisekedi, Ayoumata, Timba, j'ai été. Alors, qui peut être premier ministre? Répondez-moi selon vous. Alors, moi, je veux donner trois scénarios. Je vois trois scénarios peut-être. Scénario du Bosso. Au cas où l'UDPS, quand on va proclamer les députés provinciaux, l'UDPS a la majorité naïe à Kandiata Liboke, il y a 200 députés. Je parle de l'UDPS et non l'Union Sacrée. Sur l'UDPS à Kandiata Liboke, il y a des députés. Je crois que le premier ministre doit venir de l'UDPS. Soki, tu gagné, tu as eu un député belé. Alors, qui peut être de l'UDPS, premier ministre à Félix Tshisekedi? Que donc que tu proposes Nicolas Kazadi, l'actuel ministre de la de Finances, soit Wameso, André Wameso, le DIRCAB adjoint de Félix Tshisekedi en matière économique, soit Guilain Nyembo, directeur du cabinet Félix Tshisekedi, soit Peter Kazadi, vice-premier ministre en charge des affaires intérieures, soit Chabani, Jean-Rémy Chabani, c'est lui qui a fait sa propagande, un juriste, soit Augustin Kabouya, l'actuel secrétaire général de l'UDPS, soit le professeur Paul Chiloum. Alors, on a que Jomou Kendi, je crois, n'a opté par Nicolas Kazadi. Voilà, ça choix que Jomou Kendi. Alors, mais Nicolas Kazadi, président de la République, Moulouba, premier ministre Moulouba, ça va créer des tensions. Donc, c'est aussi Mbaté. Donc, je veux me rabattre sur André Wameso. Je veux me rabattre sur André Wameso ou Jacamé Chabani. Batumi Baléwana. Voilà. Alors, au cas où l'UDPS a joué ma députée, mais Union Sacrée n'est et majorité. Dans ce cas, on aura plusieurs Batumazali. Tout ça, là, Bemba Saolona, Bemba, Jean-Pierre Bemba, toi, la Vital Kamerhe. Bon, moi, il prend la Vital Kamerhe. Félix Tshisekedi, tu es premier ministre. Ou bien Jean-Pierre Bemba, ou Batu Lukwebe, Lukwebe, ou bien va maintenir Samaloukonde. Ou bien Moïndo Nzangi. Moïndo Nzangi. Le grand combattant Moïndo Nzangi. Ou carrément, Félix Tshisekedi, il y a une dame, comme Adèle Kaïnda, ou Maman Fifi Masuka. Entre parenthèses, dossier Oyo, bah, leader, il y a Union Sacrée, bah, ouais, il y a effigie, il y a Félix Tshisekedi na Katanga. Moi, je crois que si nous analysons ce dossier isolé, on ne va pas comprendre le problème. Mais si on analyse le dossier en haut dans sa globalité, on va comprendre le problème. Et puis, je crois, on va peut-être, on tiendra pas rigueur là-bas, bah, leader Katanga. Parce que, quand Moutazo Keneba va voter, il a besoin de ce contact sociologique na population. Ce qui a remarqué que population aza anti-kassayen, alingaba kassayente. Mais yesiko leader naye, aza kassayen a fait du Tshisekedi. Il n'a pas le choix. Il va jouer ce jeu-là. A rejouer Jehoana. A rejouer le roi anetia, boy fait du Tshisekedi, mais fait du Tshisekedi kati naye. On doit comprendre cette stratégie politique pour les élections. Tu vas demander le suffrage d'une population anti-kassayenne. Mais toi, ton leader,
est un Kassaïen. Au Bombay. Alors, ce qui est côté ouest, et ça dit la même chose. Bah, l'idée, oh, y'a, bah, député, bah, député, les tifios, yo. Fio, bah, ben, ma gena, y'a, ensemble, y'a, 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 na Kinshasa, ce que Kuna Balif Katumbite, donc à Ochatié était. Et beaucoup de Katumbis, des députés nationaux, bah, t'as qu'un figé à faire qui s'est gagné. Stratégie. Donc, il y a un moment là, bah, rigueur, t'es. Il y a un moment là, dans sa globalité, vous avez compris. Alors, et je vous ai expliqué. Au cas où le président Félix Tshisekedi vient avec une autre donnée, il veut créer la cohésion nationale. Pour tout tel est là-bas ennemi. Donc, à tiens une épée, c'est meni, à tiens une osage, c'est meni, à l'ingé, à escroix, ça, il s'est pas congolais tout. N'a pas ex-kabiliste, au bas, continue l'élection, t'es, n'a pas ta une épée, n'a pas ta union sacrée, bah, tout, tout, bah, y'a. Qui doit être le premier ministre? Y'a là, que Djomou Kendji, n'a tiens, n'a kawana, Fayoulou, vous l'ingé, Fayoulou, la première ministre, ou Mouzito. Voilà. Donc, c'est là où on va réfléchir, n'a pas si bino, bah, trois scénarios. Voilà. Alors. Toke sikoyo, na dossier na biso pratiquement ya souka. Mukwege, le prix Nobel de la paix, le prof, le faux prix Nobel de la paix, la poupée des blancs, jette l'éponge à Souki. Il refuse de faire la politique. Mais on doit se poser la question, pourquoi avait-il tenté cette aventure de la politique? Alors, nous sommes tombés sur un élément. Ah ouais, bah le biboui. Batouni, Mukwege, Denis Mukwege. C'est ça, l'élément est là. Quand j'ai quelque chose que j'ai voté dans Dieu, il y a battu dans Baron. Alors, si vous n'êtes pas élu, continuerez-vous votre combat politique? Battu ni Mukwege. Il répond ceci. D'abord, je vous dis, quand on va annoncer ma résultat, il y a ma élection, à qui m'a gagné déjà Belgique? À qui m'a gagné déjà? A juste 0,22%. Alors, pour moi, Mukwege dit ceci. Pour moi, cette candidature était une question de responsabilité. Une fois cette mission accomplie, je ne compte pas faire une carrière politique. Je suis défenseur des droits droits humains et cela me va très bien. Je continuerai ma mission qui a commencé il y a 20 ans, de soigner les victimes de cette guerre. Je n'aurai aucun regret puisque ma candidature était un acte de responsabilité. Il dit que sa candidature était un acte de responsabilité. C'est-à-dire, Batouba Tindika qui est, on l'avait poussé à poser candidature. Alors, j'aurais bien plus souffert de ne l'avoir pas fait. Le pire est de choisir l'indifférence. Maintenant, c'est à la population de juger. Je me soumets à son choix. Pour ma part, j'aurai la conscience tranquille d'avoir fait mon devoir. Voilà. Mukwege a déclaré dans sa carrière politique il était. Donc Tindika a qu'il a déposé candidature, Batouba Tindika qui est. Vous vous rappellerez en 2018 Batindika qui est à Boyaki. Et comme en 2023 Batindika est sousou à qui mais nani Batindika qui katoum Mukwege bah nani Batindika qui Mukwege. Est-ce que bah congolais? Je ne pense pas. Ils ont Batouba Tindika qui est. Kende contrecarré fait ce qu'il dit. Il fait des merveilles au Congo, on doit le stopper. Alors, Kijamukeni pose la question. Pourquoi Mukwege avait-il tenté cette aventure maintenant? Premier élément. Est-ce qu'à ça, il y a par haine de Félix Tshisekedi? Parce que Félix Tshisekedi est dans Mounouba. Donc, à Yinika Fati Beto, Mounouba, président, Pour Kabila était là. En 2018, il n'a pas posé la candidature. En 2011, il n'a pas posé la candidature. En 2006, il n'a pas posé la candidature. Seulement quand tu vous faites, tu serais du frère congolais, de père et de mère aïe. Premier élément. Deuxième élément. Est-ce qu'il a posé sa candidature pour sauver leur système de prédation? Pour sauver le kabilisme? Pour sauver le kagamisme? Parce que, je vous rappelle que Kagame est placé au pouvoir par le clan Clinton. Le clan Clinton qui soutient Denis Mukwege. Denis Mukwege sera Kei Nanda,
y a ma Bill Clinton, ma soeur, ma femme dans la cuisine. Ils sont très proches. Bamboni Bansouini Kagame. Alors, je dis ceci. Est-ce pour sauver leur système de prédation, le kabilisme, le kagamisme au Congo, afin de refaire, ça dit, ce qu'a passé président, va refaire mixage, brassage, infiltration des Congos. Il y a Rwandais, l'armée, la FARDC. Donc, continuer les 12 millions de morts, afin qu'ils demeurent les réparateurs des femmes violées à jamais. Car l'état de siège a bloqué Mukwege. Pour partir à l'état de siège, ma femme violée, bah, ça est insultée. À quoi bon il sera encore réparateur des femmes? Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément. Est-ce qu'il était acteur dans la course au pouvoir par ordre de ses parrains, les Occidentaux mafieux, surtout Joe Soros? Ma pèse à qui ordre? Kende? Kende au télé, mais là, Congolais de père et de mère, Rwanda. Kende? Parce qu'il y avait un risque, bah, l'ongola, Katumbi, pour la dossier de père et de mère. Il y a un peu de Kende, au cas où Katumbi a zate, yo, au représenté Bisso, bah, kagamiste, bah, toi, kagame, bah, Occidentaux mafieux. C'est ça. Et je crois que, il y a un ami, Freddy Suisse, à 150 mois de réflexion, Mora Moukier. Ah, mais je crois que Mukwege ne voulait pas. C'est la raison pour laquelle il y a un yemba la mongo, à l'obique, naï, naïe pona, problème, il y a le genre, introduction du genre. Ayeba, il a fait ça sciemment, pour pas qu'on relève ayeba, bah, pour naïeté. C'était une réflexion yandéko. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, on vous rappelle que, on vient d'arrêter des criminels. Bon, tu vois, quand on a un criminel, na Kinshasa, bon, là, c'est une vidéo. Oyo. Là, c'est une vidéo. Il planifiait de faire le kawa à Kinshasa. Voilà. Bravo à nos services de sécurité. Bravo à l'ALER. Bravo au DEMIAP. La DEMIAP. Donc bravo. Voilà. Bakangi Bango, Bomoni Bango. Donc Bazaki infiltré na Kinshasa. Dans une parcelle à Kinshasa. Nambi, Nangaliema. Donc va héberger Bagi une trentaine. Balobaka Swahili, Swahili à 16 à Kaki. Baby Lingalake. Baby Français. Baby Loroté. Bakangi Bango. 30. Kolupang Bakangi. Vigilance, ma Congolais, vigilance. La Yosie, Michel, que je vous kenji, aux arrêts à Kinshasa, aux arrêts partout dans le Congo, t'as la voisine à Yo. Voisine à Yo, y a gauche, y a droite, y a Sima, y a Liboso. Quand t'as la loupang ou ma voisin, vérifiez. Voisin, si tu sois besoin d'un d'Akumoro, une HB d'Akumoro, mon aîné, quand t'as la d'Akou, vérifiez. Si tu n'as pas en campagne, dans ma pigeon, ben d'Akou, la mine, mais bon, vérifiez dans Kati. C'est l'ordre que je vous kenji, on peut s'habiller, non. Soyons vigilants. Voilà. Et monsieur Sili, Bande Rolangaï, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi. N'oubliez pas de prier pour que Jomo Kenyama, monsieur Mdoulepès, je souhaite à tout le monde Happy New Year 2024. Baba, à la prochaine.